C'est la fin de la série La fête à la maison, 20 ans après. Il y a eu cette série, et 20 ans après, ils ont décidé de faire la suite. Alors, le principe de cette série est très simple. Les enfants de la première série se retrouvent adultes et décident d'habiter dans la même maison de l'époque, la même maison de l'époque. Et toutes les trois femmes, eh bien, vivent ensemble, avec leurs enfants, avec leurs aventures, enfin, voilà. Avec leur mari, leur va-et-vient, leur spectacle. Bon. Alors, c'est ça à peu près le speed de la... Voilà, jusqu'au mariage. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Par rapport au son, aux applaudissements, tout ça... Normalement, c'est une sitcom avec un public. Mais là, je n'ai pas l'impression qu'il y en avait. Sinon, ils faisaient toujours la même chose. Toujours le même... Ou comme un exemple, tout simple. Dans cette série, il y avait surtout ces trois comédiennes, plus leur famille. C'était eux les héros. Héroïnes, plutôt. Et les autres héros de la première série venaient régulièrement dans la série. Et à chaque fois, c'était... Waouh, bravo! C'était toujours le même son. Oh, oh. Et ça devient fatigant aussi. Bah voilà. C'est pour ça que je pense que c'est plus une bande son qu'autre chose. Et c'est un peu mou comme série. C'est un peu téléphoné aussi, un mariage. Une bonne partie des séries, des sitcoms finissent par un mariage. C'est banal. La Messervie, ça finit par le mariage d'Elisa Milano avec je ne sais plus quel comédien. Ça devient... Ils auraient pu faire des choses, par exemple. C'est leur vie de famille. Voilà. Aucune autre aventure. Alors, si à un moment donné... L'une d'elles aimait deux garçons, celle qu'elle connaît il y a 20 ans, voire même 30, et l'autre, son collègue de travail. Bon, finalement, je ne vais pas vous dire qui est le prix. Cette série a duré 5 saisons, 5 ans. Moi, je n'ai pas regardé 5 ans, j'ai regardé tout en plusieurs mois. Et là, c'est la fin. Elles sont en train de se dire au revoir. C'est triste, même pas. On s'y attend. Là, comment ça se finit? Eh bien, tout le monde s'en va. Au début, tout le monde est arrivé dans cette maison. Maintenant, tout le monde s'en va. Normal. Donc, je reste sur ma fin. Je vais quand même regarder. Jusqu'au bout. On ne sait jamais, hein, j'aurais pu être surpris. Mais non. Pas d'agréable surprise. Rien. Nada. Dommage.
dommage parce qu'ils auraient pu faire de belles choses. En plus, bon, là, il y a d'autres enfants. Il y a Ramona, fille de l'une des trois héroïnes. Il y a d'autres personnages qui viennent et viennent, qui va et vient. Et maintenant, je vous dis à toutes et à tous rendez-vous pour une prochaine critique très très bientôt, qui est nerveux, Michel Croix.